Allez. Donc c'est l'épisode 29, si je compte bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'ils ont commencé à faire... Ah bah là, l'hydromel, on est bon, hein. On en a. Ça, c'est cool. Ça va les rendre heureux. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, il y avait l'histoire aussi de se chauffer. Attends, j'ai des trucs qui me gênent. Hop. Un chaudron ici, un chaudron, un brasero, il est censé être allumé et on voit pas de flamme. Ok, bon, je sais pas, je pense que c'est. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon il fait chaud. Il fait chaud, c'est l'été. Alors, oui, tiens, à nous deux. À nous deux, petits planchers, s'il te plaît. Ouais, bon, pas d'accord. Non, c'est bon. Voilà. Manque de bois, mais ça, c'est pas grave. Ça va arriver. On a Marie qui coupe, qui coupe, qui coupe. Et qui coupe. Peut-être. On pourrait pas avoir de l'orge qui pousse. C'est que du lin. Hein. C'est désespérant. C'est quoi tout ça? Hein? Des os. Hein. Après, les os. Hein. Là, le bûcher, j'avais. Oui, c'est bon, c'était prévu. Il n'y a rien de particulier à dire sur les. Sur les trucs de prière, là. Sur les. Je sais pas comment ils appellent ça. Les autels. Si c'est du fer, pour l'instant, le fer, je m'en sers pas trop, je crois. Ah, attends, j'avais mis le truc pour les arcs. Je sais que je l'ai foutu déjà. Ah, ouais. Un bois, menuiserie, compétence requise. Ouais, d'accord. Vitesse de la production, dehors d'un brouillard. Ah, oui, c'est pas grave que ce soit dans le brouillard, le problème. Allez. Alors, on va en faire deux, c'est bien deux. Ou trois. Allez, comme ça on en aura trois. On en aura. Là voilà. Là, je sais pas ce qu'on fera comme pièce en bas. Ben, peut-être pourquoi pas fabriquer les armes ici d'ailleurs. On verra si je déplace tout ça là-dedans. Il y a des choses, ouais, tout ce qui est là-dessous, peut-être organiser mieux. Ou la recherche. La recherche, ça serait peut-être pas bête de la mettre là. Là, vous ne démolissez pas. On va faire autrement. On va faire allure. C'est ça. Ah oui, attention. Comme ça. Attends. Je t'explique. Comme ça. La porte. Je la démolis. Voilà. Et... C'est le mur qui est là. Je vais démolir. On est d'accord. Hop! S'il vous plaît. Faites quoi là? Ouh. Ah, ça y est. Ouah, c'est pas facile. Voilà, très bien. Du coup, on peut mettre une porte ici. Dingue. Mais oui. Bon, on n'a pas assez de bois, certes. Toujours pas assez de bois, pourtant j'en avais du bois.
Bon, ben, on va couper d'autres arbres. La récolte de champignons là. Hop, voilà. Allez, vas-y. Ça aussi, il faut récolter. Voilà. Oh là là, il y en a partout. Il faut ranger, les gars. Les carottes, les carottes, les carottes, les carottes. Mais c'est moi. Il y en a 7 de carottes de plantées. Alors, je crois que j'en ai acheté 5 au départ. Donc, ouais, il y a du bénef. Et ça, ils les coupent quand, les sapins? Ils sont pas en âge d'être coupés? Genre celui-là. Non, mais toi. Voilà, toi. Niveau 16. Il prend du level quand même. Hein. Voilà. On a un bon bois, on commence à être pas mal. J'ai pas mis de sol ici. Ça serait peut-être bien. Pourquoi j'ai un mur? Ah oui, c'est le pilier. Ah, est-ce que du coup le pilier a son importance? On sait pas. Bon, allez, on va en profiter, on a un pilier. Voilà. On va faire ça. Même si ça sert à rien, on s'en fiche. Non. Du coup, on va faire un sol en brique d'argile, c'est joli. Allez. Fait, ouais, c'est bon. Ok, là on est bien. Bon, les vaches, vous faites un bébé quand, monsieur, madame? Vous avez le droit, hein? Vous avez à manger. Ouais, j'aurais peut-être pu leur mettre une auge ici, hein, à l'intérieur. Ça l'hiver, ils sont pas obligés de sortir. Oui, je sais, on n'a pas assez de bois comme ça, mais bon, faut s'inquiéter comme ça. C'est quoi ça? Lingot de fer, ah oui. Et lingot de fer, vous rangez jamais? Oh, c'est beau ça, dit-on. L'argile, je sais plus où c'est que j'ai fait ici, non? Produit, ouais, c'est ça. En attente de ressources. L'argile. Oh punaise, à chaque fois l'argile, hein, je galère à la retrouver. Tiens, il y en a là, non? Le 6, ouais, c'est pas suffisant. Argile, ouais, il y en a là. Pas beaucoup. Ça fait toujours un petit peu d'argile. Et à force de tourner, et ben je sais plus où étaient mes gisements d'argile. Comme on les voit pas super bien, hein, faut avouer. Bon, ah oui, là, ici. D'accord, donc on verra s'il faut que j'aille leur ordonner de miner cette argile là. Pour l'instant, ils font ce sol. Et quand le sol sera fini, ouais, je mettrai. Qu'est-ce que je mettrais? Bah plutôt l'archerie, quoi. Ça me semble logique. Bon, alors l'étage. L'étage, je voulais faire des chambres aussi. Hein. Ça va me sembler étroit. Parce qu'en plus, il faut que je double le mur. Déjà occupé, déjà occupé. Là alors. Mais du coup, là c'est le mur du toit. En fait, il te le montre pas vraiment. D'accord. Alors, je
Je vais faire une chambre, hein. Il y a trois de large, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, hein. Je ferai bien plus quand même. Ouais, on va essayer de faire un peu plus donc, comme ça. Ah oui, bien sûr que je l'accepte. Qu'est-ce que qui c'est? Ce saillant et ses cheveux tombés en touffe. Cette pauvre âme affamée, les espoirs se sont mis parce qu'elle vous supplie. Alliez-vous l'accueillir? Oui, c'est une fille en plus. Ah ben oui. J'adore parce qu'après je sais plus où je suis. Voilà. Merci. Hop, comme ça. Ouais, sauf que là, je peux pas faire d'entrée. Mince, ah ouais. Je suis couillonne en fait dans ma tête. À moins que. Ouais, mais non, je peux pas. Ah si, là je peux. Je peux faire sauter ce bout de mur. On va faire sauter ce bout de mur. Parce qu'il n'y a rien derrière. Hop, allez. Travailler, qu'est-ce qu'elle fait, le coup d'ailleurs, enfin, c'est déjà ça. Là. Voilà, donc là on est bien. Théoriquement, je peux mettre du sol. Là. Ouais, c'est bon. Du bois, je sais. Matériaux. Terre. Non, alors je sais pas du tout où c'est rangé, c'est génial. Ouais, posez-moi ce sol. Faut que je pense à vous montrer à la fin, avant la fin de la vidéo, il y a une feuille de route qui est apparue sur le jeu avec tout ce qu'il voulait encore faire. Je vous montrerai ça avant de finir. Allez, dépêchez-vous de faire ça. Du bois, il y en a. On va même faire une porte là. Porte en bois. Si je pense que là je vais pouvoir comme ça, je peux faire plusieurs chambres du coup. Plusieurs chambres pas trop petites, plutôt confortables, ce serait sympa, non? Allez. Je vais pas faire de fenêtres sur les côtés, il y aura des fenêtres que de ce côté. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé. J'ai décidé avec moi-même. Donc, une chambre, voilà, ça va faire une super belle chambre. Mon Dieu. Allez. Comme ça. Il y a une chambre. Ah, du coup, ça en fait une autre, encore plus grande. De linge, c'est vraiment pas assez. 3, c'est le minimum. Hop. Donc là. Et là, celle-là, elle va être toute petite, c'est embêtant.
Alors j'en fais une très grande. À la limite, j'en fais une très grande, mais elle aura plusieurs lits, non? On peut peut-être faire ça, hein? Ouais, on va faire ça. Une fenêtre là. Alors, on va faire une fenêtre ici. Et une là. Voilà. Oh punaise, je vois rien du tout là. Alors, les portes. Une fenêtre là, une fenêtre là. Voilà. Là, ça fait une grande chambre et il y aura plusieurs lits. Moi, ça me semble valable. Ça me semble valable. Il faudra que je fasse un toit aussi avant tout. Avant tout, à toi. Alors, un toit en... Ce que j'ai fait là, c'est un toit en bois, je crois. Non, c'est un toit en bois. Bardeau d'argile. La chaleur et l'aspect rustique et protège du mauvais temps. Après, l'argile, j'en mets pas beaucoup, mais j'ai bien l'intention d'en avoir. Je vais quand même regarder par rapport à mes autres toits, ce que ça peut donner. Je fais mon toit comme ça, c'est peut-être pas génial comme ça. Comme ça, non, on va faire comme ça, je pense plutôt. Ah bah oui, j'ai rien pour me reposer là-dessus. Alors attends. Ça, faut toujours penser à ça. Sauf que là, il y a une porte. Ça va me gêner. Non, ça. Ouais, ça passe malgré la porte. Ok. Oui, alors il me manque beaucoup de matériel. J'ai compris, c'est pas grave. Voilà, comme ça c'est bon. Bah du coup de l'argile, j'avais vu que j'en avais beaucoup. Je sais plus où de nouveau, c'est génial, j'adore. Tiens, là. Bientôt l'heure du dodo, les gens. Hop. Hop. Ah, ils vont tomber dedans, hein, c'est pas possible. Ah, j'ai mon ventre qui grogne, c'est pas possible. Ah, allez. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi le problème ici? Impossible de rejoindre le bâtiment, pas assez de ressources autorisées. Comment ça, impossible de rejoindre le bâtiment? Non, pire, je le mets pas, hein. Je l'enlève ça. En bois, je l'annule. Du coup, ça, je peux supprimer. Ça aussi. Ça va toujours me faire du bois de récupérer. Hein. Et voilà, bonjour tout le monde. Donc, la nouvelle, elle est contente. Hein. Tu m'étonnes, elle a été accueillie, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je suis assez contente quand même
malgré les petits soucis qu'on a eu au départ, les morts, la mauvaise organisation de ma part, je suis plutôt contente de comment ça se déroule maintenant. J'ai l'impression qu'il commence à prendre un bon rythme, mes petits colons. Donc voilà, alors, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je vais vous donc vous montrer ce que ça a donné la feuille de route, ce que ça va donner. Alors, on va sauvegarder. Ah oui, on écrase celle-là. Voilà, merci. Menu principal, oui. Alors, voilà, ouais. Donc, il y a la feuille de route qui est apparue. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont ajouté la dernière mise à jour. Hein. Terraformation, le fait de pouvoir mettre les pentes quand on creuse, les chats que j'ai tués assez vite. Il y a eu des nouveaux animaux, donc à part les chats, j'ai pas vu grand-chose. Animaux prédateurs, ouais, ok. Voilà, donc ils nous ont ajouté tout ça déjà. Apprivoiser la faune, ouais. Et ils ont l'intention de faire encore tout ça. Donc pour l'instant, moi tout ce qui est religieux, je m'y intéresse pas vraiment, mais je pense que je vais pas avoir le choix. Système de vassal, de prisonnier, tout ça, ben ça c'est ouais, c'est vraiment lié à la guerre. Donc ça m'intéresse pas tout de suite, mais ça m'intéressera plus tard. Un peu plus de réalisme avec le feu, la flammabilité, l'accumulation de la neige, des ruines. Et alors ça, je trouve ça génial. Et les grottes naturelles aussi, mais alors les ruines. Oh, plus de structures, plus de musique, plus de types de cartes, plus de ressources, plus d'engins de siège, plus d'objets de recherche, plus d'amélioration. Oh, c'est génial, j'ai hâte. Trop bien. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Merci pour les conseils qui continuent d'arriver. Merci pour les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Pensez au petit pouce bleu, partagez. Voilà. Un petit peu de pub, ça fait toujours du bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.